Y a pas de voile au volet de mes frères, y a pas d'opale autour de mes doigts, ni cathédrale où cacher mes prières. Ah, hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Désolée pour la petite chansonnette, voilà, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Alors en fait, hier soir j'étais chez moi tranquillement, tout ça, et je me suis dit, tiens, ça serait franchement bien de pouvoir interviewer des stars, de pouvoir, pouvoir les appeler, les interviewer, leur poser des questions, tout ça. Donc j'ai réfléchi, et d'un coup, une idée est venue, c'était comme une évidence, Céline Dion. Oui, Céline. Si je l'appelais, et on, qui tente rien à rien de toute façon, donc voilà, pourquoi pas. Et alors, du coup, c'était parti. Donc, après d'avoir fait le choix de la star, il fallait vraiment trouver son numéro. Et ça, c'était un peu mission galère parce que finalement, il y en avait quand même certains de Céline Dion. Et donc, du coup, j'ai essayé, j'ai appelé, j'ai. Voilà. Et enfin, par chance, j'ai trouvé le numéro de Céline Dion en personne. Donc, je l'ai eu au téléphone. Et je lui ai demandé clairement, voilà, est-ce que ça serait possible de vous avoir au téléphone sur ma chaîne pour vous interviewer et vous poser quelques petites questions, tout ça. Et elle m'a dit oui, tout de suite. Elle m'a dit avec grand plaisir et tout. Donc c'est cool, j'étais super content et je la trouve vraiment, vraiment chouette. Donc c'est parti. Bon, bien sûr, Covid oblige, Céline n'est pas présente. Donc du coup, nous l'avons directement au téléphone. Donc voilà. Allô Céline? Bonsoir Paris? Non, moi c'est Mathieu. On s'était eu au téléphone. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop touché avec cette crise qui touche la planète entière. Mais vous savez que les frontières sont fermées normalement pour tout le monde? D'accord. Revenons un peu sur votre carrière. Elle est juste immense. Voilà, vous avez passé des années et des années sur scène, en studio. Quel regard avez-vous de toutes ces années passées voilà, sur le devant de la scène et, Ce n'était qu'un rêve. Ah oui, un très 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 beau rêve. Alors, même c'est un peu plus qu'un rêve, même, hein, c'est une réalité. Si on vous demande, en effet, aujourd'hui, qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voudriez que vous n'avez pas pu faire ou réaliser? Parce que vous avez réalisé quand même pas mal de choses. Ce serait quoi? Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Intéressant, que de grands projets alors, hein? Alors, dernièrement, on a lu dans les journaux que vous aviez rencontré quelqu'un. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou comment ça se passe en ce moment? Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. En tout cas, j'espère que cette relation vous rendra heureuse et que ce soit réciproque, voilà, entre vous, ce Ziggy et vous. Voilà. Et s'il y avait un petit mot pour la fin, ça serait quoi? Oui, s'il n'en restait qu'une, je serais celle-là. Merci Céline, merci beaucoup. En tout cas, je ne vais pas plus que ça vous déranger et j'espère que voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis à très vite en tout cas, j'espère. Voilà, je vous embrasse. Au revoir Céline. Waouh, j'arrive même pas à... Voilà, c'est juste énorme. Avoir Céline Dion quand même au téléphone, comme ça, qui nous répond. Même moi, je m'y attendais pas, c'était juste trop bien. Donc, on va voir, peut-être qu'il y en aura d'autres.
Voilà. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et j'espère à très vite et que ça vous a plu. Bisous, ciao ciao.